La province de Hainaut accueille Marcel Moreau. Le temps d'un hommage à travers la musique, les arts plastiques, la vidéo et bien entendu la littérature. L'écrivain natif de Boussu est revenu dans son Borinage natal. Nous l'avons rencontré lors d'une visite au Grand Ornu. Vous avez connu toute cette région quand elle était encore une région charbonnière, hein ? Absolument, oui. J'étais environné de mines, de châssis à molette, comme on dit, hein, chez nous. Et puis, j'étais fasciné par la condition des mineurs aussi. J'ai écrit sur la condition des mineurs, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Togo pour les enténébrés ». Et vous avez voulu fuir tout ça ? Absolument. Oui, j'ai de mauvais souvenirs aussi. Je n'ai pas que de mauvais souvenirs. Voilà. J'ai connu la Belgique, je ne sais pas, sous un visage avenant. J'ai souffert beaucoup. J'en ai bavé, pour parler vulgairement. Vous écrivez encore maintenant, je pense. Qu'est-ce qui vous fait écrire ? Ben, vous savez, en ce moment, je suis un peu à l'arrêt, si je puis dire, parce que à cause de mon état, de mauvais état physique. Mais j'écris 63 livres. Donc, je n'ai pas chômé, quoi. Hein, c'est un mouvement infatigable, quoi. Toujours mes mots ont dansé, voilà. Quand ils ne dansent pas, c'est très, très inquiétant. Aujourd'hui, vous avez quoi, 81 ans, c'est ça ? Oui. Noël approche, la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marcel Moreau ? Vous pouvez me souhaiter de retrouver ma vitalité d'il y a quelque temps. C'est arrivé brusquement, cet écroulement est arrivé brusquement. J'allais vous parler d'un écroulement mini, mais c'est arrivé brusquement il y a à peu près un mois. Et là, voilà, je suis un peu diminué, et les mots ne viennent pas aussi facilement que... Mais je pense que ça peut revenir. Hein.